Votre matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. 8h, l'heure du journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Le centre-ville de Quiberon secoué par une violente explosion au gaz. Cette nuit, bilan toujours provisoire, 10 blessés dont 2 graves. Nous serons sur place dans un instant avec François Coulon. À la une également Hélène. La noyade de 3 enfants d'une même famille à Chalon-sur-Saône, le lac était interdit à la baignade. Tous derrière et lui devant, Emmanuel Macron prend la parole devant quelques 900 parlementaires cet après-midi pour le congrès réuni à Versailles. Plan choc de Bercy pour réduire les dépenses publiques. Près de 20 000 suppressions de postes dans les 5 ans, nous dira Daniel Fortin. Et puis le foot, les Bleus risquent-ils de pécher par excès de confiance? C'est en tout cas ce que craint le sélectionneur à la veille de France-Belgique. Et donc cette impressionnante explosion au gaz en plein centre-ville de Quiberon, en pleine nuit, ça s'est passé un peu avant 3h du matin. François Coulon, vous êtes sur place et les dégâts sont spectaculaires. Effectivement, une scène terrible avec un souffle d'explosion tellement puissant qu'il a littéralement retourné une fourgonnette. C'est très impressionnant. L'épicerie fine, la brûlerie de la Presqu'île où s'est produite l'explosion, un petit immeuble de 3 étages, est totalement effondré. De la crêperie voisine auquel le feu s'est propagé, il ne reste que les murs calcinés. Des dizaines de vitrines sont en morceaux. La déflagration a réveillé, rendez-vous compte, des habitants jusqu'à l'entrée même de Quiberon, 2,8 km. Et quand on voit tout ça, eh bien, on se dit que le bilan est quasi miraculeux. 10 blessés, dont 2 graves, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Alors, au total, une trentaine de voisins ont été évacués vers une salle municipale. Parmi eux, Béatrice, qui a eu la peur de sa vie. Moi, j'ai entendu une explosion mais épouvantable. On croyait qu'il y avait la foudre sur notre maison. Ça m'a réveillée, je me suis levée et puis j'ai vu déjà les voisins qui étaient dehors, les vitres qui étaient par terre. Je suis allée sur la place, tout était par terre, les vitres cassées, les portes des garages enfoncées. Et j'ai vu toute une maison qui était par terre. Ça sentait encore le gaz. Et puis au bout de 20 minutes, il y a eu une nouvelle petite explosion et un départ de feu qui a tout embrasé en quelques secondes. Sur le bâtiment qui s'est écroulé, tout s'est embrasé d'un seul coup. Il y a eu beaucoup d'ambulances qui sont reparties chargées de gens. Voilà, des dizaines de pompiers noient actuellement les derniers foyers sous les yeux médusés d'une population hagarde et qui a le sentiment vraiment de revenir de loin. François Coulon en direct de Quiberon pour Europe 1. Des températures élevées, des enfants qui veulent se rafraîchir et ce drame hier soir à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. 3 enfants d'une même famille se sont noyés dans un lac Jean-Luc Boujon. Les secours venus en nombre n'ont rien pu faire. Oui, effectivement, cela s'est passé vers 19h. Il faisait encore très chaud sur Chalon. C'est pour ça qu'une fillette de 9 ans et son frère de 10 ans ont voulu aller se rafraîchir les jambes dans le lac des Prés-Saint-Jean. C'est un plan d'eau situé près de la base de loisirs, mais où la baignade est interdite en raison de la forte pente depuis la rive. Visiblement, les deux enfants ont glissé. Comme ils ne savaient pas nager, eh bien, ils auraient rapidement perdu pied à seulement 5-6 mètres du bord, à un endroit où le lac atteint déjà une profondeur de 4,50 m. Leur grand frère, âgé de 13 ans, a immédiatement sauté pour leur venir en aide. Mais lui non plus ne savait pas nager et il aurait coulé à pic de la même façon, qui plus est dans une eau froide affichant seulement 10 degrés. Rapidement, 37 pompiers dont 9 plongeurs sont arrivés sur place. Ils ont réussi à récupérer les enfants au fond de l'eau et ont immédiatement tenté de les ranimer avant de les emmener au CHU Dijon, où les 3 frères et sœurs ont fini par décéder après un séjour de près d'une heure dans l'eau. Dès hier soir, une cellule psychologique avait été mise en place pour les parents et les proches des victimes. Une enquête a été ouverte et une autopsie devrait avoir lieu peut-être dans la journée. Jean-Luc Boujon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. En Thaïlande, les opérations d'évacuation dans la grotte inondée reprennent ce matin. Hier, 4 des 12 enfants bloqués depuis 2 semaines ont pu être remontés à la surface. Ils sont en bonne santé. Europe 1, 8h04, même décor que l'an dernier, Hélène, mais l'ambiance a changé pour Emmanuel Macron. Ah oui, le chef de l'État retrouve les ors de Versailles et les 900 parlementaires réunis en congrès. Rendez-vous est donné à 15h, au moment où certains de ses choix politiques sont décriés, Maxence Lambrec. Répondre aux critiques sans en avoir l'air. Emmanuel Macron ne veut pas descendre dans l'arène tout à l'heure, apparaître sur la défensive, mais il compte tout de même bien remettre les pendules à l'heure, expliquer le sens de son action, montrer que derrière cette avalanche de réformes et d'annonces se cache un projet cohérent d'émancipation pour tous. Ni virage à gauche, ni virage à droite, donc le président va garder le cap, assure un de ses proches. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait de la déception, mais ce n'est qu'une question de temps. Les gens ne perçoivent pas encore les résultats sur le terrain,
assure cet ami du président. Le terrain, on en sera loin cet après-midi. Ne vous attendez pas à un catalogue La Redoute plein de détails, prévient l'Élysée. Emmanuel Macron ne fera que présenter les grandes lignes des réformes à venir, celles des retraites, de l'audiovisuel, des lois de bioéthique, mais aussi la philosophie générale du futur plan pauvreté. Aucune promesse sociale à l'horizon, donc, mais un long discours d'une heure et demie qui l'an dernier n'avait attiré qu'1,5 million de personnes à la télé, quand une interview chez Jean-Pierre Pernaut, par exemple, en rassemble 4 fois plus. Maxence Lambrecht, tous les députés de la France Insoumise ont décidé de boycotter le discours en traitant Emmanuel Macron de monarque. Certains membres des Républicains seront également aux abonnés absents, comme le député de Moselle, Fabien Di Filippo, qui estime que c'est juste de la communication politique à 500 000 euros. À propos d'argent, Marine Le Pen en a besoin. Elle lance un appel aux dons auprès des militants du RN après l'annonce de la justice qui saisit 2 millions d'euros d'aide publique de son parti. Il s'agit de l'affaire des assistants présumés fictifs d'eurodéputés FN. Marine Le Pen dénonce un assassinat politique et craint que son parti ne soit mort à la fin août. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, s'apprête a frappé fort ce mercredi. Oui, il annoncera en Conseil des ministres un plan de réduction massive du nombre de fonctionnaires. Daniel Fortin, vous êtes le rédacteur en chef des Échos. Selon vos informations, ce plan concernera essentiellement l'administration fiscale. Oui, entre 18 000 et 20 000 emplois devraient être touchés à Bercy dans les 5 ans à venir. Les suppressions commenceront dès 2019. Elles concerneront, vous l'avez dit, la direction des finances publiques, celle qui traite nos impôts. Pourquoi elle? Eh bien parce que cette administration est celle qui est la plus impactée par la numérisation, notamment les déclarations en ligne, mais aussi par les réformes Macron, comme la suppression de la taxe d'habitation ou les prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu qui sera confié dès janvier prochain aux entreprises. Résultat, on aura besoin de moins d'agents pour effectuer toutes ces missions. On reprochait à Emmanuel Macron de tergiverser, mais c'est sans doute le coup d'envoi de la baisse des dépenses publiques. Oui, car avec cette mesure, l'exécutif accomplit un premier pas significatif vers son objectif de supprimer 50 000 postes dans la fonction publique d'État. Il ne le fait pas à la hache, mais avec méthode, car il redéfinit en même temps les missions de l'administration fiscale. Maintenant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour éviter l'impopularité des mesures à venir. Le sujet sera particulièrement sensible, on l'a vu ces dernières semaines, lorsqu'il faudra s'attaquer au maquis des dépenses sociales. Daniel Fortin, rédacteur en chef des Échos. Malgré la grève, Air France KLM a transporté davantage de passagers en mai par rapport au même mois l'an dernier, plus 3,7%. L'école, ce n'est pas vraiment fini pour près de 100 000 élèves de terminale qui ont passé un week-end studieux. Ils passent les oraux de rattrapage entre aujourd'hui et mercredi. Eux, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Nos Bleus doivent impérativement gagner demain contre la Belgique pour disputer la finale du Mondial. Ils s'envolent ce matin pour Saint-Pétersbourg, dernier entraînement dans l'après-midi. Et Didier Deschamps doit les préparer à un danger, l'excès de confiance. Simon Rubin. Ce week-end, Didier Deschamps s'est employé à faire redescendre ses joueurs de leurs nuages, multipliant les discours, collectifs ou individuels, surtout avec les plus jeunes. Il faut dire que depuis vendredi, inconsciemment, le collectif français a basculé. Désormais, on pense à la finale, on pense au titre. Et des joueurs, jusqu'alors prudents sur les chances de l'équipe de France, ne cachent plus leur ambition, comme Benjamin Pavard, d'ordinaire plutôt mesuré, mais qui assume la confiance totale de l'équipe. On est sûr de nos qualités, on a vraiment un groupe exceptionnel. On a peur de deux personnes. On est confiant depuis le début de la compétition. On ne se pose pas de questions, on est sûr de nous. On gagne 2-0 contre l'Uruguay. On est qualifié pour les demi-finales. Voilà, on a fait le job, donc tout le monde est content. Et c'est là toute la subtilité de la gestion pour Didier Deschamps. Ne pas freiner les joueurs, ne pas leur faire peur, ni briser l'élan de confiance, mais les ramener quand même à la réalité. Leur faire comprendre que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est bien beau, mais ça n'aura aucune utilité demain sur le terrain. Simon Rubin, Europe 1. Et évidemment, le match de demain sera à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Du côté de la grande boucle, Peter Sagan a remporté le sprint de la deuxième étape hier et pris du même coup le maillot jaune. Aujourd'hui, contre la montre par équipe sur 35 km à Cholet. 8h10, c'était le journal d'Hélène Zélani sur Europe 1. Europe 1.